Moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné avec vous, c'est que vous avez réussi à ramener toute l'équipe autour de vous, mais aussi le public et la ville. Et généralement, quand il y a un coach qui fait ça à Limoges, on va s'en souvenir longtemps, il se passe toujours de très bonnes choses. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça après un an? Honnêtement, je l'ai fait express. Je l'ai fait. C'est juste que je suis comme ça. Je pense que la génétique, c'est quelque chose qui va aider. Juste à être latent. Donc, je suis comme tout. J'ai entendu que vous dites beaucoup de fois la comédie de l'arte, bah pour nous, c'est pas comédie, c'est normal. Donc pour moi, c'est juste venir ici et montrer la passion, montrer le cœur pour le basketball. Et après, j'ai vu l'amour qu'il a pour l'équipe, et j'ai donné aussi l'amour pour l'équipe. Donc, je pense que nous sommes rencontrés à moitié. La moitié, c'est exactement le terrain. Le terrain, on va faire la même chose, avoir la passion pour l'équipe. Donc, pour moi, c'est normal. Je pense que pour les personnes, c'est normal aussi. De trouver quelqu'un qui aime beaucoup, aime bien la Limoges. Ouais. Après un an, comment vous vous sentez après cette saison? Ça a été une longue saison. Oui. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Parce qu'on sait que Limoges, c'est... Fatigué. Plus que fatigué. On peut dire. C'est pas de Limoges. Je pense que pour faire le travail de... Pour être un entraîneur, la pression, c'est à part du travail. Donc, pour moi... C'est pas vrai que tu as la pression de l'argent, de les résultats. Je voudrais gagner tous les matchs. Donc c'est normal que tu vas et tu vas essayer de gagner le match. Et après, si tu ne gagnes pas, tu vas étudier, à fixer pour gagner le prochain. Donc c'était fatigué parce que c'était trop long. Honnêtement, trop long. Et la dernière été, je ne fais pas un jour de vacances, un jour. J'ai été tout l'été parce que j'ai signé ici le 8 juillet, je pense. Et on a commencé à faire l'équipe après un temps très compliqué. Oui. Okay. Et donc, oui, bah, c'était très bon. Je suis très content. Et maintenant, on va travailler beaucoup. Plus che la dernière saison. Perché siamo tutti tifosi dell'Olimpia Milano. Ah, ok. Oh, bravo! Io supporto Milano o Virtus? Attenzione! Dipende. When there is Virtus playing, I'm for the Virtus, and in Euroleague for Olimpia. Yeah. No! De la merde. On sort d'un petit passage avec Massimo qui était magique et il a exposé aux yeux de tous la fraude Corentin quand il lui a posé la question s'il était fan de Milan ou fan de la Virtus. Romain, Corentin à moitié bégayé. Et du coup, quand il a dit bon, quand Venise joue, quand la Virtus joue, je suis pour la Virtus, et quand Milan joue, il lui a fait c'est de la merde. Là, on est allé faire quelques paniers en extérieur histoire de se chauffer un petit peu et que Romain nous enfile des paniers à trois points. Mais la bonne nouvelle, en discutant avec les gens à l'intérieur, c'est qu'il y a moyen qu'on tâte gentiment le parquet de Beaublanc. Donc, on y va, c'est parti.
toute façon, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. On t'aime, Lolo.